Émilie et bienvenue dans mon studio Emmy Création. Je suis démonstratrice d'un pin-up indépendante et aujourd'hui je voulais vous montrer comment faire cette petite pochette que j'ai faite avec une troisième façon d'utiliser le Framelit, toute une boîte d'amour qui est à la page 19 du catalogue occasion. Donc si on y retourne, c'est ici. Il est montré avec des choses de Saint-Valentin, mais on n'est pas obligé d'utiliser des choses de Saint-Valentin pour aller avec. Donc là, j'ai fait une version adolescente. Donc, c'est pour faire suite au blog Hop des démonstratrices que j'ai fait avec des démonstratrices anglophones hier. Vous allez avoir le lien aussi pour voir mon blog Hop. Donc, et on devait faire tout sauf une carte. Avec des produits du catalogue Celebration. Donc, je me suis amusée avec le jeu des tempes Fête épique. Donc, il y a une guitare, des chaussures, des écouteurs, puis les mots « Tu es super » et « Que ta fête soit épique ». Puis, je me suis inspirée de cette carte, en fait, pour dire ben, on pourrait offrir la carte et on pourrait mettre la carte cadeau ici dans cette petite enveloppe ou le petit billet qu'on voudrait mettre ici. Donc c'est un échange de cartes que j'ai fait avec des anglophones aussi, avec la Angie Mackay, qui est une démonstratrice canadienne. Donc j'aimais vraiment son style simple et les couleurs qu'elle avait utilisées qui sont les couleurs que l'on retrouve dans le papier à motif qui s'appelle, je ne me rappelle plus. On va regarder ça ensemble. Ah, mince, c'est mon Celebration en anglais. On va prendre celui en français, ça va être mieux. Qui s'appelle papier de la série design Bulle pétillante. Donc là, on a repris du BD Bermude et du limonade à la limette. Donc, ça, c'est ça que j'ai fait. Pour savoir ce que c'est la promotion Celebration, je vais vous mettre le lien aussi, mais rapidement, si vous achetez pour 60$ de produits Stampin' Up, vous allez avoir droit à un cadeau dans ce petit catalogue ici, Celebration, jusqu'au 31 mars 2018. Donc, ça peut être n'importe quoi dans les deux catalogues en vigueur, dans le clearance rack, c'est ça, dans les promotions. Il faut juste cumuler 60$, puis vous pourriez avoir donc gratuitement le papier. Et pour un autre 60$, le jeu des tempes, fête épique. Donc, comment faire sa jolie petite pochette, toute simple. Puis là, en plus, ce qui est sympa, c'est qu'on peut... Il y a même un petit système pour la fermer, qui est vraiment super sympa. Donc, je vais vous remontrer comment le faire avec une autre couleur. J'avais envie de changer. Donc... Là, je vais prendre mes écouteurs et mon limonade à la limette. Oh, avant de commencer, j'ai oublié, ça, on n'a pas besoin des petits rabats. Donc, je vais les enlever. Je cherche juste mon ciseau que j'ai mis, je ne sais plus où. Ok, donc comme je disais, on enlèvera juste les rabats. Et ici, on ne veut pas plier non plus, on voudra juste le rabattre, donc on veut pas que ça se plie. Puis là, on va faire la pliure ici, pardon, la pliure ici. Et ici. Ok, donc là, je vais mettre mes écouteurs. Là, je vais plier ici parce que je ne veux pas que mes écouteurs soient à l'envers de l'autre côté. Puis là, si ça dépasse, c'est pas grave, ça ne se verra pas. Donc, je vais aller faire mon fond, ma décoration de fond. Je l'ai refaite ici de l'autre côté.
Là, pareil, on fait attention de ne pas dépasser la ligne. Voilà. Et donc, pour faire cette boîte, vous avez vu, je découpe ça juste une seule fois. Puis ensuite, ici, je vais prendre un carton qui fait 3 et 4 et 7 huitièmes. Puis, je vais aller le décorer aussi. Et voilà. Donc ça, j'ai besoin de plus rien là-dessus. Donc là, je vais pouvoir finir ma boîte. Donc là, tout simplement, en fait, c'est ça que je vais vouloir faire. Donc là, il me reste mon adhésif à mettre. Donc, comme je disais dans les autres, vous pouvez utiliser soit le rouleau découpe facile, soit le Fast Fuse. Donc, moi, j'utilise le rouleau découpe facile. Et on se met bien au bord de la boîte ici. Okay. Ce que j'ai fait aussi, c'est que j'en ai mis dans le bas, à l'intérieur. Déjà enlever cette partie-là. Je peux quand même le replier, puis je vais aller enlever les deux autres parties ici. Et je peux tout simplement aller. Donc, moi, je préfère me mettre dans le bas, dans le coin du bas. Pour m'aligner. Et voilà. Ok. Ensuite, il me reste le petit rabat ici. Alors, je l'ai déjà découpé. Mais le petit rabat, comment on le fait? C'est qu'on, dans la boîte, toute une boîte d'amour, on a une découpe qui peut paraître bizarre comme ça. Donc, en fait, ici, ça coupe. Le reste, ça coupe pas. Donc, je suis allée prendre mon papier à motif ou un papier cartonné, peu importe. Puis, je suis allée le passer sous la Big Shot et ça m'a fait cette petite chose, cette petite encoche ici. Et ensuite, je suis allée prendre ma perforatrice 1 pouce. Puis, je suis allée me placer à peu près au centre. Puis, je suis allée perforer mon morceau de papier. Maintenant, pour le coller, ce que je veux, c'est que ce soit comme ça dans ma décoration. Ok, donc je vais aller le placer, puis je vais aller mettre ma colle en arrière. Hop là. Je vais pas le perdre. Et là, je vais le maintenir un petit 10 secondes. Je vais pouvoir aller faire ma petite décoration de l'autre côté. Donc, on va ici mettre notre papier à motif. Donc, c'est l'inverse de ce qu'on avait fait tout à l'heure. On pourrait bien mettre celui-là. On peut mettre celui-là. C'est à notre goût. Puis, il y a plein d'autres papiers à motif, plein d'autres motifs possibles avec ce papier à motif-là. Oups. Hop, donc là après j'ai déjà décoré celui-ci, puis là je vais aller faire mes petites espadrilles. Donc pour faire mes espadrilles, je vais les colorier avec mes stamping blends. Donc j'ai pris la couleur assortie BD Bermude, donc j'ai BD Bermude clair et BD Bermude foncé. Je vais aller prendre mon étampe. Quand on utilise
colle. Quand on utilise les blends, il nous faut l'encre Memento noire. Donc, je vais aller encrer. Ici. On veut quand même laisser la place parce que on va découper par la suite. Alors, je pense que c'est... Je manque un peu de foncé par là. Je pense que je suis due pour réancrer mon memento. Ok, il est un petit peu plus foncé. Donc, pour colorier avec nos blends, donc c'est quand même assez délicat parce qu'on veut garder des parties blanches. Donc moi, j'utilise la partie la plus fine et pas la plus épaisse. Donc je vais commencer par le clair, le BD Bermude clair. Donc j'essaye de pas colorier les lacets ni la semelle ni le bout de la chaussure. Mais on va les faire entre les morceaux. Ça a l'air plus réaliste. Et on va faire l'autre côté. Alors, si vous ne connaissez pas encore les blends, ce sont des marqueurs à alcool. Donc, ce qui fait que quand on dessine, moi, ce que j'aime vraiment, c'est parce qu'on ne voit pas nos traits de crayon. C'est vraiment super sympa pour ça. C'est vraiment, ça fait une belle image, un beau coloriage. Et on a deux couleurs, ce qui va nous permettre de nuancer, de mettre des ombres. Et voilà, donc là j'ai fait avec ma couleur claire, je vais prendre mon foncé. J'arrive pas à l'ouvrir parce que je me suis mis de la crème sur les doigts parce que ma peau était trop sèche. Alors du coup, ça ne voulait pas s'ouvrir. Je vais aller mettre un petit peu de foncé là où je veux faire des zones d'ombre. Puis après, donc ça s'appelle des blends. Blends pour mélanger en anglais. C'est ça, en anglais. Donc en fait, là on les voit, je ne sais pas si vous les voyez bien, mais là on les voit, nos marques de feutre. Mais l'avantage, c'est que je vais revenir avec mon blends clair, puis je vais aller pouvoir colorier de nouveau, ce qui va permettre de mélanger la couleur et de la rendre uniforme. Voilà, donc je vais aller découper avec ma Big Shot les espadrilles et je reviens. Donc je suis allée à découper avec ma Big Shot et les frame lids qui s'appellent pyramide de cercle. Donc moi je les ai mis comme ça, puis quand on les met comme ça, celui-là c'est vraiment le plus petit des cercles, puis celui-là c'est celui d'après. Donc dans les quatre qui sont ensemble, des petits, ça va être le troisième, 1, 2, 3. Celui-là étant le plus petit. Donc j'ai pris celui-là, le troisième. Et puis après aussi, j'avais pris le troisième des formes à coudre. Donc là, je vais aller le coller l'un sur l'autre. Donc là, c'est normal, c'est passé à travers de mon papier. C'est ça que ça fait les blends. Donc ça, faut toujours mettre une couche en dessous. On va mettre ça direct sur notre carte, ça fera pas joli.
Puis là, je vais aller reprendre mes dimensions. En arrière. Là, c'est sûr que la décoration est assez épurée. Je vais pas mettre de ruban ou quoi que ce soit. Ben, je vais moins mettre de ruban parce que c'est pas une fille, c'est pour un garçon. Hop. Et voilà. Puis si on regarde notre petite pochette, on peut y glisser de l'argent. On peut aussi y glisser une carte cadeau sans problème. Et voilà, on a une jolie petite pochette cadeau pour un adolescent ou même une adolescente. Moi, j'adore le bleu, là, donc c'est vraiment des belles couleurs aussi. Donc, j'espère que ma vidéo vous a plu et que vous avez aimé cette troisième façon d'utiliser votre Framely, toute une boîte d'amour. J'ai encore une autre façon d'utiliser ce Framely à vous montrer, que je vous montrerai très bientôt. Peut-être d'autres encore après si je découvre d'autres façons de faire d'ici là. Sur ce, j'espère que vous avez aimé. N'oubliez pas de mettre un petit pouce en l'air si vous avez aimé ça, de souscrire à ma chaîne YouTube pour ne pas manquer les prochaines vidéos. Si vous êtes sur Facebook, ben abonnez-vous, likez ma page Facebook, comme ça vous verrez les prochaines vidéos. Puis si vous avez des questions sur l'utilisation des produits, sur la promotion Celebration, ou si vous voulez commander, n'hésitez pas à m'écrire, aller sur mon blog et à cliquer sur l'onglet contact ou commander. Sur ce, ben, je vous souhaite une bonne journée créative, amusez-vous, c'est ça qui est important, et à bientôt. Bye.